Alpha Golf Mango au point d'arrêt, bravo. Qu'on est là et qu'on entend aussi notre tour, même s'il y a beaucoup de trafic aujourd'hui. Je Fox Juliette Tango, je, dernier virage et final pour la 23 dure. Voilà, ça c'est Walter avec Julien. Ouais. En base 23 dure. Et il y en a encore un en base de Juliette Alpha, début devant arrière, 23 dure, main gauche pour un toucher. On s'attend, on remonte, dès que le, pas Julien, le suivant est passé, on remontera quand même un petit peu la piste. Ouais. Sinon on va jamais décoller. Hein. Tout à l'heure, mon compte pilote, il va être à découvert. Je n'avais pas volé. J'ai pas volé, j'ai fait du taxi, c'est bien. Ah oui, ils sont avec le coyote vert. Ouais. Là, c'est avec Walter, il veut apprendre à voler dessus. Sauf sur l'hôtel Alpha, bravo Mike, final le 23 du point complet. Dommage qu'on n'a pas un taxi qui remonte jusqu'au bout là-bas, on pourrait s'aligner facilement. C'était prévu, les paramètres sont bons, tac tac tac, un dernier coup d'œil. Ok, bon, moi ce que je fais à la mise en puissance, je regarde puissance affichée et badin actif. Ouais. Comme ça on sait qu'il n'y a pas de problème. Ok, c'est bon pour moi, on peut aller. Ok, on y va. Ah, je passe d'autres parents de l'école. Ok, on se lâche gentiment dehors, voilà. Palier d'accélération. Parfait. Le Romeo en vue des installations. En 20. Toujours 2000 pieds QNH. En rond, tranquillement. Section ouest, je rappelle, début d'intégration. Et je vais transiter travers les cheminées de Bruxelles. Voilà. Je vais lui dire décollage immédiat sur la 23. Bon, ben, je Fox Juliette Tango, on vire en base pour la 23 dure. Juliette Romeo, Juliette Alpha, en début de vent arrière, 23 dur, main gauche pour un complet. Tac, finale, allez, annonce à radio. Fox Golf Mango en finale, 23 dur. Pour okay. Un toucher décollé. Bien au milieu de la piste. Voilà, gentiment, on réduit tout doucement et on fait son arrondi. Tiens le arrondi, on le tient comme ça, et on vole le plus longtemps possible. Encore, 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 voilà, hop, on le tient. Ok, ouais. C'est contrôlé, 80, ok, on est reparti. On se lâche directement, bien horizontal, hop. On fait le palier d'accélération, et voilà, on monte dans l'axe. On va choisir un champ, on va le choisir avant et on va faire une intégration comme si on va couper le moteur, on va mettre le moteur en ralenti et on va faire ça à gentiment. Donc ce sera prévu et voilà. On va choisir les champs qui sont ici en dessous. Ouais, d'accord. Ils sont bien orientés. Le champion d'eau qui est là, il y a un bon champ vert là. On va faire une approche. Donc je vais réduire les gaz gentiment. Voilà. Donc on a le temps. Le moteur il tourne pas, il est arrêté. Le champ il est là. Je sais que le vent il vient comme ça, donc on va le poser en passant à côté du château d'eau. Ouais, ok. Il faut, c'est ne jamais perdre le champ de vue. Le champ, il est là pour l'instant, il est de mon côté. D'accord ? Ouais. Donc, on va faire une approche en secteur gauche, main gauche ou main droite, ça c'est toi qui vois. Ouais. Là, on a toujours un côté fort. Alors, donc, on va se mettre là. Donc là, on a plus le champ. On descend, le champ, il est là. Regarde, on le voit vraiment bien ici, il est là. Hein. Le champ vert qui est là, avec la petite route qui passe au bas. Ouais. On passera à, comment ? À gauche du château d'eau par là, d'accord ? Et on fera une finale sur le champ, le beau champ qui est vert là. Ok ? Ok, ah oui, le premier là, ok. Le premier. Bon, par contre, il y a une ligne de tension là-bas derrière. Ouais, ah oui, je la vois. On la voit. Donc ça, c'est à nous de la gérer. Donc on va quand même regarder la sécurité de ne pas se retrouver dedans. Okay ouais. On va pas aller trop loin, comme ça après on se plonge, hein. On peut plonger sans problème. Ouais. Voilà, le champ il est là-bas, il est bien dégagé. Je vais juste mettre la main sur la manette. Tu peux poser le feu de l'autre côté. Ouais. Voilà, on va le faire ici. On a combien badin on a 120. Là, on est toujours bon. Ok, on est passé. Et là, on va chercher là-bas. Alors, j'accélère un peu pour avoir un peu de vitesse, pour moi aller chercher mon champ gentiment. Ouais. Et regarde, on va vraiment... Et voilà, on a rendu, on est dans le champ, on est posé, on est safe. Ok, ah ouais, putain. Voilà, c'est tout. Oh, c'est facile, là. Ah ouais. Voilà, on peut remonter. On est juste pour voilà. On va pas aller sur les arcs. On va monter en travers, que si le moteur s'arrête, on a encore de champ. Ah oui, voilà. Parce que sinon, dans les arcs, là, on va faire comme l'Airbus de la 320 qui avait pris les arcs à tout l'âge.
façon, on est tout près du champ, il n'y a pas de problème. Quand on a un bon champ, on peut tourner comme ça au-dessus et vraiment attendre avant d'aller dedans. Hein. C'est pas une course d'aller dans le champ, voilà, c'est le champ qui est au bout d'elle, là, juste au bout d'elle, avec des petites bandes brunes à l'intérieur, tu vois. Ah oui, d'accord, ok. Celui-là. Ok, ouais. Ok, voilà. On est parti maintenant, on fait une droite arrière, ouais, et ouais, on se pose dedans. Ok, on conduit complètement, voilà, ok. Et prends la manette de gaz ici, là. Ouais. Ok, je me mets là. Le champ est là, il est beau, il est en légère montée, il y a le bois, mais il faut éviter de ne pas aller dessus parce que sinon on risque de tomber dedans, mais on peut virer même avant. Ouais. Donc, 120, attends, voilà. On est en dessous du 120. Tu peux déjà virer sans problème, le champ il est là, il est haut. C'est toi qui pousse là sur le vent? Je retiens juste pour pas tirer dans la main, regarde ta vitesse, tu vois. Ah, oui. 120, minimum 120. Hein. Ah non, on dit pas du tout là. Voilà, on va un petit peu vers avant. Voilà, il y a plus le champ, il est là. On est en lisière de bois, on est tranquille. On va éviter le top pétrave justement qui est là. Ouais. Et voilà, tu fais ta finale. Garde bien 120, hein. Pousse bien dans ton manche, ça c'est important. Hein. Et il est super long, il n'y a pas de problème. Ah, on voit que t'as l'habitude quand même, parce que putain, je te jure, la cible des arbres là. Voilà. Ah, maintenant ça va. Maintenant je me sens bien. Tu l'as là. Ouais, donc entre les deux. Entre les deux, on se met entre les deux. Et là, on se repose là-dedans, il n'y a aucun souci. Voilà, ok, assiette, puissance, on est parti. Nickel, on est posé, on est en fond, sans souci. Ok, tu reprends ta manette de gaz, tu veux. Ouais. Et tu vois. Donc là, on va rester supérieur à 1500 pieds, hein, ouais, ouais. Puisqu'on n'est pas dans le circuit. Ouais, ouais. Minimum 2000 pieds pour passer le terrain. Il y a un avion qui est venu là-bas aussi, donc on va le laisser là, mais on va se mettre à 2000 pieds minimum, et on va aller voir de l'autre côté, si on n'a pas changé la piste ou tout pareil. Quoi. Ouais. Alors, j'ai pas encore visuel sur le terrain. Ah, le terrain, oui, pardon. Oui, la piste est là-bas, ça okay. Y est, je l'ai. Bon, on va se mettre dans là, dans le... Tape vers le terrain. Ah oh oui, 4h moins quart, c'est bien. Ah, j'ai une belle vue sur la prison là, et son terrain de foot. Ouais, ils sont bien, ils sont bien équipés là. Hein ouais, c'est son visage que j'ai eu l'autre jour. Ouais. J'ai pas envie d'arrêter, je suis tellement t'es bien. Oh, je vais annoncer vertical terrain. Ouais. Donc le Fox Golf Tango, on se reporte vertical terrain 2000 pieds QNH pour Gun Tank Motor. Ouais, Golf Tango, pas de vertical terrain, il y a du Sama. Ok, il faut envoyer sans du la vertical terrain. Et ben voilà. Tiens, il y a le largage para. Ah merde. Et je pensais que l'endurance était fermée, donc j'ai le tour là-bas, okay. C'est pas grave, on se mettra un peu plus loin dans le circuit, et on fera le moteur dans le circuit normal. Ouais. Ça va ? On fera la panne moteur pour chaque fois.